C'est sous une forte pluie qu'une foule nombreuse a accompagné Maître Eric Birindoua pour se faire enrôler dans un centre du quartier Mugunga qui a servi depuis le 14 décembre 2016 des lieux pour le lancement de la campagne « Je m'enrôle avec Maître Eric Birindoua, ville de Goma ». Une sensibilisation qui a déjà porté ses fruits et doit continuer afin d'atteindre un grand nombre d'électeurs dans cette ville touristique. Bonjour. Bonjour chers journalistes. Aujourd'hui vous passez un enrôlement au niveau des Mugunga. Pourquoi ce choix ? Le choix de Mugunga est justifié par le fait que j'avais lancé l'opération ou la campagne de sensibilisation ici à Mugunga. Comme vous le savez très bien, c'est depuis le 14 décembre 2016 que j'ai lancé la campagne « Je m'enrôle avec Maître Eric Birindoua ». Et cette campagne avait commencé ici à Mugunga. Raison pour laquelle jugeais bon de venir aussi m'enrôler à Mugunga pour être beaucoup plus proche de la population de Mugunga, de Lac Vert et de la périphérie. Je m'enrôle avec Maître Eric Birindoua dans quelques jours. Ça sera la fin. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à ceux-là qui pensent encore qu'une fois la série va prolonger? Le message à lancer, c'est lui de leur demander de se précipiter pour obtenir la carte d'électeur. Il est vrai que pour le moment, les résultats sont largement positifs, mais nous devons demander à ceux qui hésitent encore de se ruer dans des centres d'inscription pour obtenir la carte d'électeur. Après son enrôlement, le défenseur des pauvres, comme les surnomment ses habitants, est allé payer les factures de plusieurs malades dans les centres de santé Bouimba et Mugunga. Surpris et émerveillé par cet acte de générosité, le bénéficiaire de l'action Birindoua en remercie cet homme politique. Tout en félicitant le grand nombre de personnes qui se sont déjà enrôlées grâce à cette campagne, Maître Eric Birindoua demande à la CENI de faciliter la tâche d'obtention de la nouvelle carte d'électeur aux prisonniers et aux malades qui sont dans l'incapacité de se déplacer vers les centres d'inscription. Tunaenda balipia mafaturu zao sahi.